Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non. Tu seras pas toujours là pour me protéger, Musclor. Je peux me débrouiller, crois-moi. Oh, oh, si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Bon, c'est plié. Ok, Julia, on est parti. T'as rien cassé? Est-ce que tout fonctionne? Tout le monde va bien? Tout va bien! On fait quoi maintenant? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok, on attend près de la radio. Here. Hey. Après toi. C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu. Je peux savoir ce que tu racontes? Eh ben... dans d'autres circonstances, cet endroit doit être totalement dément à explorer. C'est unique. Mais ce sera sans moi, c'est clair et net. Dit la fille qui rêvait d'explorer une épave. La ferme. Hé, hey, viens voir un peu ça. Regarde, là-bas. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois pouvoir... Attends! Est-ce que ça va? Ouais! Impec! Descends voir! Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était... là! C'était... tu l'as pas vu, toi? Pardon? Ok, ok, donc... donc moi, je vois des trucs, mais... toi, non. Ouais, je crois qu'on est tous en train de perdre la boule. Et je crois que c'est à cause de... cette brume. Pourquoi la brume nous rendrait fous? Cette brume, elle nous retourne le cerveau. C'est peut-être comme ça que tout a commencé. C'est pour ça que le bateau est désert. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion? Peut-être. En tout cas, ce serait pas absurde. Ils étaient peut-être en contact. C'est une théorie, c'est tout. Bon sang. Ok, faut continuer. Tu sais ce que j'aimerais? Être au sec? Ouais.
Dis-moi ça. Le navire avait jeté l'ancre. Je l'ai trouvé! Oh, trop bien! Et il fonctionne! Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Ok, allez, c'est parti, on remonte. Il y a sûrement un autre chemin. Ça a coupé, mais c'est revenu. Vous m'entendez? À vous! On a besoin d'aide. Et vite! Il y a des trucs sur ce bateau qui essaient de nous tuer. À vous! Un bateau de sauvetage avance vers votre position. À vous. Allez, marche, putain! Oh. Regarde ça! Le recycleur! Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke of Milan. Tu crois qu'il marche toujours? Il y a encore un peu d'oxygène. Encore quelques minutes. On le prend parce que c'est super lourd. Ça nous fera perdre du temps. Non mais ça va pas! Le bateau prend l'eau, ça pourrait nous sauver la vie! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi. Non! Fais pas ça! T'as qu'à faire! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Thank you.
Pas la peine de vous cacher, sale petite merde! Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez! Et on est tous du même côté, non? Vous essayez de me piquer ma part? Si vous n'avez pas tout l'or, vous allez me laisser crever! Crever! Mais c'est moi le capitaine! Mais c'est moi qui contrôle tout! Et je suis le seul à décider de qui reste et qui part! Ah! Il est juste derrière nous. Dis-moi que tu sais comment nous sortir de là. C'est trop risqué de bouger. Faut observer et attendre le bon moment. Ah, ces pauvres équins friqués voulaient s'éclater en terre inconnue, hein? Leur plan a foiré. Les générateurs fonctionnent. L'or est à moi. Et maintenant, c'est moi qui vais m'éclater à tout éclater. Moi! Avec mon putain de marteau géant! T'en fais pas. Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de... choses. Ok. Ok. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Lentement! Oh. Ok? C'est bon? Personne change. Ça suffit! Les mains en l'air! Lentement! Non, non! Non, pas comme ça! J'ai dit, personne change! Juste, baisse ton arme, allez! Ça nous évitera un drame. Vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un? Vous croyez que j'avais le choix, peut-être? C'est en vous aussi, pas vrai? Est-ce que je me trompe? Ah! Ça recommence! Tout ça en train de transformer! Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention! Restez loin de la brume! Quoi? Mais il n'y a pas de brume! Respirez pas! Faites gaffe à la brume! Calme-toi! Stop! Stop! Elle est dans l'anneau, pas vrai? Pose ton flingue maintenant, allez! Pourquoi tu me dis ça? Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré! Ça se produit. Je peux le sentir! Putain, mec! Il n'y a aucune brume! Oh. Ah! Non, non!
Attends près de la radio. Pourquoi ? Je vais aller faire un tour, pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile. Je vais pas très loin. Reste près de la radio. Je vais rester là, moi aussi. Pas de la radio. Quelqu'un doit rester à l'écoute. Ok, chef. J'ai vu le grand type. Il avait la tête d'allumage. Il faut qu'on le suive. Ça doit être ça qu'on a entendu. Oh non, c'est quoi ? Peu importe, il nous faut cette tête d'allumage. Là ! Il est sûrement passé par là. Ça. Le voilà. Tu peux me sauter par-dessus. Ouais. J'arriverai pas à faire ce saut, Alex. Je vais devoir trouver un autre moyen. Merde! Oh. Tiens, tiens. On dirait que la chance nous a souri. Thank you.
Quoi? Qui êtes-vous? Fais pas. Oh, et merde. C'est pas vrai. Fleece. Je te tiens. Allez, c'est parti. Parfait. J'aurais dû être là. Quant à les portes, j'aurais peut-être pu la sauver. J'aurais pu prendre sa place. J'aurais dû être à sa place. Donc, comme par magie, ce truc envoie un SOS. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, pas vrai? Wow. C'est quoi ces conneries?
Voilà, c'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance, vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Impressionnant. Presque tout le monde a survécu. Oui, presque. Il s'en est fallu de peu, mais Alex est parvenu à garder son calme. Bravo, Alex, et bravo à vous. Tout est une question de choix, n'est-ce pas? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison, ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. À très bientôt. Peut-être à Little Hope, ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. C'est inévitable.